Bonjour les jeunes et les moins jeunes, aujourd'hui on joue, mais aujourd'hui on joue à quoi? On va jouer à Planet Base qui a été édité et développé par Madruga Works et qui est sorti en octobre 2015. Mais ce jeu, qu'en est-il? Eh bien c'est une sorte de city builder, de jeu de survie où on va devoir construire une colonie sur une planète lointaine de la Terre et essayer de survivre en créant énergie, en exploitant l'eau, les ressources et tout qu'il y a sur la planète. Il faudra également survivre ou essayer de survivre à quelques cataclysmes naturels comme des chutes de météorites, des éruptions solaires, des tempêtes de sable ou autres joyeusetés présentes sur le jeu. Mais passons au jeu en lui-même. Donc déjà, vous voyez l'écran titre. Ce que j'aime bien, déjà, outre les graphismes qui sont magnifiques, vous voyez ce petit module qui s'en va à toute vitesse vers la planète, mais à toute vitesse de façon stagnante. Voilà, il bouge pas. Et donc ce qui est bien avec cet écran de titre, c'est qu'on peut, hop, modifier le background. Alors là, on voit soit une espèce de petite planète gelée, ou alors la lumière bleue du soleil fait qu'on voit la planète ainsi, ou celle-ci que j'aime bien également, où on a Jupiter ou Saturne et on est sur une de leurs lunes. Là pareil, sur une autre lune à mon avis de Jupiter ou de Saturne puisqu'on voit son anneau autour. Et voilà, donc moi je me remets sur celui-là, même si dès qu'on relance le jeu bah, ça repart à celui de base. Moi j'aime bien celui-ci, donc on va démarrer la partie comme ça. Alors, je vais vous le présenter de façon let's play découverte. Je n'y ai pas encore joué. J'y ai juste joué quelques minutes tout à l'heure pour les besoins de la capture vidéo, voir si la capture se faisait bien ou pas. Donc j'ai débloqué, je crois, un petit truc, une des étapes du jeu, mais bon. Alors, on va y aller. Nouvelle partie. Clic. Vous n'avez pas encore terminé le didacticiel. On leur dit que je l'ai pas commencé? Non? Bon. Allez, non. Donc... pour commencer, on choisit une planète. Donc, vous remarquerez que les développeurs ne sont pas allés à l'école, vu que pour eux, l'alphabet, c'est DFMS. Message de Pupus. Pardon. De Scrally. Plutôt que de dire des conneries, demande à Google. Donc, première... catégorie de planète accessible, la catégorie D qui est, comme son nom l'indique, accessible. Sachant que les petits mots qui sont en dessous de la catégorie, je pense que c'est le niveau de difficulté entre guillemets de la planète. Vous avez la catégorie F qui est difficile. On verra si on la testera plus tard quand j'aurai débloqué 4 étapes en tout. J'en ai débloqué une, donc on verra. Catégorie M, impossible. 8 étapes à débloquer. Voilà. Et la catégorie S, comme suicide. Ça va être compliqué de la tester celle-là. Donc on va commencer la catégorie D. Donc, planète déserte de taille moyenne avec une atmosphère dense de CO2. Protégée en partie contre les météorites et les éruptions solaires. En partie. Caractéristique, quantité de lumière haute. Les panneaux solaires fonctionnent à plein régime. C'est fait le régime avant les vacances d'été. Densité de l'atmosphère haute convient aux éoliennes, donc le vent va être très important peut-être pour produire de l'électricité. On est tombé sur une planète proche de Narbonne, ça c'est bien. Risque de tempête de sable haute, ok. Risque de chute de météorites faible. Je vous invite à regarder ce mot, faible. Oui, le risque est faible. Ce n'est donc pas un risque zéro. On verra ça plus tard. Nom de la base, base D59, non, ça m'intéresse pas. On va la renommer en MOA. Colonie. Ensuite, on peut choisir l'emplacement de départ de sa base, là où le petit module va se poser. Bon, alors je suis sûr que sur internet, il doit exister des tonnes de sites vous disant à quelles coordonnées il faut aller. Parce que vous voyez, on a les coordonnées sud-ouest, on peut être en nord, voilà, nord-est. Donc, je suis sûr, je vous entends d'ici dans les commentaires. Et mais bon, tu vas sur celle-site et tout, il va te dire que si tu vas à 60 degrés nord et 2 degrés est, tu vas avoir l'emplacement parfait pour débuter ta base. Mais écoute, on va rester comme ça. Hein. Moi, je vais faire un truc qui va être totalement subjectif. J'ai 34 ans, j'habite dans le sud-ouest. Donc on va aller
34 degrés sud, 34 degrés ouest. Comme ça, ça ira bien. Et commencer. Clic. Ok. Waouh, l'atterrissage. Atterrissage en douceur, parfait. Alors, qui c'est qui va sortir? Ok, donc le jeu est une découverte sur moi, mais en tant que joueur, comme je le disais, j'ai déjà vu des let's play sur ce jeu. Je me rappelle plus de ce qu'il faut faire. Je sais à peu près ce qu'il faut construire et tout, donc énergie et compagnie. Donc pour augmenter ou réduire la vitesse du jeu, vous avez les touches plus, les touches moins. On va rester en x1 parce qu'il n'y a pas de pause malheureusement. La seule pause, c'est pour aller sur le menu principal, mais pendant qu'on est sur le menu principal, on peut pas explorer la colonie ou voir d'autres fonctionnalités. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc on revient. Vous avez ici dans le menu contextuel le petit point d'interrogation, c'est pour l'aide au jeu. On s'en servira pas parce qu'on est des gueudins. Ici le menu principal que vous pouvez avec la touche échappe rejoindre également. La sauvegarde rapide, afficher les toits, donc quand vous construirez des dômes, ben, on peut les virer si on veut voir l'intérieur comme il faut. La vitesse du jeu. La gestion de la base avec tout ce qui est statistiques, graphiques, enfin voilà, tous les trucs pour les matheux. Et la construction. De l'autre côté, vous avez le nombre de colons, le nombre de robots, le jour, donc dès que ça arrive à la fin, à mon avis, le soleil se couche. Donc on va essayer de se dépêcher. On va d'abord voir donc les constructions intérieures. C'est celle, donc ça va être les zones de vie de vos colons. Donc l'oxygène qui devra être à l'intérieur, il va falloir le fabriquer. Donc fabriquer de l'eau 2, ça doit être ça, générateur d'oxygène, génère l'oxygène à partir d'électricité et eau. Ok, on va en mettre un, ça serait bien d'abord de voir où on a atterri. Ouais, là-bas il y a de la surface, là ici il n'y a pas grand chose, ouais peut-être un peu ici. Ok, on va essayer de partir plutôt vers là-bas. Donc oxygène, on va le générer dans le coin. Donc avec la molette on peut grandir ou rapetisser. Moi je vais en mettre un quand même assez grand pour l'oxygène. On va le mettre au milieu, comme ça on pourra aller des deux côtés. Donc électricité et eau. Alors électricité, je crois que c'est sur les extérieurs, voilà. Donc soit des panneaux solaires, soit panneaux enfin les éoliennes qui doivent avoir de l'électricité apparemment pour pouvoir être construites. On va faire un solaire, on va faire un petit solaire là, de ce côté, voilà. Les aides, on les enlève. Alors ça, je me rappelle des let's play que j'ai vu. On clique sur un bâtiment, on clique sur l'autre. Et le petit maillon de chaîne construit, voilà. Donc il faut également de l'eau. Ah, accumulateur, oui, pour stocker l'électricité, ça peut être pas mal aussi. On va en faire un moyen, lui. On va le faire là. Hop là. Et donc j'ai dit la flotte. Donc accumulateur. Extracteur d'eau. Oula. J'ai entendu une explosion. Je sais pas d'où ça vient. On va faire ça là. On va relier ici. Ok. Donc ça c'est fait. Donc on va faire, on a le dôme, donc l'oxygène va se créer, comme ça les mecs ils vont pouvoir respirer. Là en attendant ils restent dehors pour continuer à construire. On va faire des trucs qui vont les aider à vivre. Donc vous avez le réfectoire, là où ils vont pouvoir manger et boire. Donc important. On va essayer de le faire sur une place centrale. Genre ici, comme ça on pourra partir vers là-haut. Et un peu plus grand. Ok. On relie. Et pour dormir, pour faire dodo. Alors pour faire dodo, vous remarquez qu'il y a un petit T en dessous. Ça veut dire que c'est un dôme impasse. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le relier à une route, un couloir avec un bâti, enfin avec un autre dôme. Mais pas... oui. Oh putain, c'est tombé à côté. Ah, y a une météorite qui est tombée pile à côté sur la roche, sympa. Donc voilà, c'est une impasse, donc il n'ira pas plus loin. Donc là, on va le faire dans un endroit où ça fera pas chier. Ah bah ouais, par là. Tchac. Ici. Et voilà. Donc là, ça se construit. On va accélérer. Une fois que les bâtiments, eux, sont construits, on peut à l'intérieur faire d'autres petits... En gros, on pourra mettre une fontaine d'eau, des tables et des choses comme ça dans le réfectoire. Et donc les lits ici.
Et le soleil se couche. Donc là, est-ce que j'ai accumulé assez d'électricité? Bon, ça va, à moitié on va dire. N'a pas d'oxygène, et il leur manque quoi? Ah voilà, c'est bon. Donc ils ont fini ça, ok. Ok, allez. Ils respirent pas? Allez, rentrez les mecs. Pourquoi ils rentrent pas? Pourquoi ils rentrent pas, c'est con? Oui. Putain, ils sont morts. Ah oui, merde. Merde, 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 merde. J'ai pas fait le sas. Vite, il y en a encore un en vie au moins. Message de Bozas. J'ai une vague idée de ce que tes colons ont ressenti. Ah putain, j'ai pas fait le sas d'entrée dans la base. Et vite, on va le faire là, voilà. J'espère qu'il y en a, ouais, y en a encore moins en vie. Il y en avait encore un en vie. C'était aujourd'hui on joue. Comment dire? C'était aujourd'hui on joue, aujourd'hui on vous apprend à ne pas faire ça. Putain, quel con, j'avais oublié de faire le sas pour qu'il rentre dans les structures. Ok. Bon ben voilà. Donc si vous voulez jouer à Planet Base, si vous voulez survivre, surtout ne suivez pas mes conseils. Vous pouvez construire tout ce que j'ai fait, c'était très bien. Mais pensez à mettre une porte à l'entrée de votre maison, parce que sinon vous ne pourrez pas y rentrer. Oh mais quel con. Bon ben ce fut un let's play très rapide, donc ben quoi dire de plus Au revoir. Essayez de survivre. Putain, quel con. Un jus là. Allez, on s'en refait. Tu vas tout faire du loup. C'est prêt. Je crois. J'aime. C'est bon, c'est bien froid. Je vais pas voir. Mon cul. C'est cas, oui. Et toi, c'est encore stressé. Mon première impression, mademoiselle Pérez, sur cette nouvelle aventure qui s'annonce plutôt bien. Mon cul écrase la tête à Claude. C'est ce qui s'appelle avoir la tête dans le cul. J'appelle l'amour à la caméra. Je crois que j'ai dit les jeunes, attends. Oula. Ça va rebondir sur un gros. Ça voilà, voilà, voilà. Bébé. Attends, mais je vois. Quoi? Il y a un lit.